célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous te couronnons de gloire, d'honneur, de louange, de magnificence. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège. Je veux qu'on fasse une chose importante. Pendant ce moment, que chacun de nous, même à la maison où tu es en train de nous suivre, je veux que tu te connectes au trône de grâce et que nous soyons en train de dire au Saint-Esprit ce matin que nous le bénissons, nous l'aimons, nous le désirons tellement. Je sens que ce matin, le Saint-Esprit a besoin de cela. Qu'on lui dise qu'on l'aime, il est tout pour nous, qu'on a besoin de lui pendant ce moment, de son début à la fin. Vous savez, c'est lui la personne la plus importante pour ce moment. Lui peut nous conduire dans la vraie pensée, dans la vraie direction, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Alors je veux que chacun de nous dise des belles et des fortes paroles à la personne du Saint-Esprit. Elle est la personne la plus importante pour ce moment. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Élevons nos voix, parlons au Saint-Esprit. Oh, je t'aime, précieux Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Je t'aime tellement, Saint-Esprit. Je te veux, je te désire pendant ce moment. Oui, avec mon frère à la maison, avec ma soeur, avec ses familles réunies. Oh, je t'aime, Saint-Esprit, je te veux, je te désire. Nous nous disposons, mais voici, je suis disponible. Merci pour ton onction avec nous et sur nous. Merci pour ta mouvance, ta présence, ta direction. Merci pour ta voix. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour le nom de Jésus que tu glorifies. Merci pour ce moment béni et bénissant. Merci pour combien. Merci pour combien nous serons encore changés, transformés ce matin. Qui peut changer sinon toi, Saint-Esprit? Qui peut convaincre sinon toi, précieux Saint-Esprit? Qui peut transformer sinon toi, précieux Saint-Esprit? Qui peut enseigner sinon ton onction, Saint-Esprit? Oh, qui peut révéler des choses à venir sinon toi, précieux Saint-Esprit? Qui peut glorifier le nom de Jésus sinon toi, précieux Saint-Esprit? J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu as donné aux hommes de parler, de prophétiser de la part de Dieu. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Parou, Chardaï, Nememe, Zerua, Mifour, Versima, Nememe, Apros, Toledesh, Loureg, Kapiparou, Latosin, Toleveron, Leprogédé. Bien-aimé, pendant que tu élèves la personne du Saint-Esprit, pendant que tu parles à la personne du Saint-Esprit depuis ta maison, tu disposes ton cœur à la présence de Dieu, tu disposes ton cœur à la parole de ce matin, tu disposes ton cœur à la mouvance de l'Esprit, tu te disposes pour être transformé, toi et ceux qui sont en train de suivre au même moment avec toi. Que ces cultes soient à toi, que ce moment soit à toi. Porte-nous sur tes ailes, amène-nous dans les profondeurs du Père. Glorifie le nom de Jésus. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Quand tu es là, tout peut arriver. Toi, l'Esprit de Adonai, donné à l'humanité par la confession de Yeshua HaMashiach. Nous t'acceptons, afin que nous soyons Merci pour chacun qui soit sa part.
Nous voulons dire ce matin que nous t'aimons, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons dire encore ce matin que tu es la personne la plus importante. Alléluia. Pendant ce moment et pendant ces Alléluia. Cultes. Alléluia. Nous voulons dire que tu es la personne que nous Alléluia. Désirons le plus. Amen. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci car tu es là pour que nous parlions de la part de Alléluia. Dieu. Tu connais tout, tu sens de tout, même Alléluia. Les profondeurs de Dieu. Nous t'aimons, amène-nous dans ces profondeurs. Ah, j'ai tout kawabawa, mota soumouna kaboyande. Non, ta vie molle, mon pechataka. Ma wa koto hiki limi fukera monta souminor bretovi. La ukera wa mota soto rejimene. Yesu la wa joma, ou ave pronki dis de levala. Yatula ma wa kurwi me melo desto levarne. Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai. Le consolateur, allons par la présence. Saint-Esprit, viens, conduis-nous dans la pensée du Père. Glorifie le nom de Jésus. Fais que les objectifs du cœur de Dieu soient atteints. Merci de nous connecter à l'actualité céleste de ce moment. Merci de glorifier le nom de Jésus. Pendant ce moment et après ce moment, qu'un faible devienne fort. Amen. Qu'un charnel devienne spirituel. Amen. Qu'un faible devienne fort. Amen. Qu'un charnel devienne spirituel. Amen. Qu'un faible devienne fort. Amen. Oh, qu'un charnel devienne spirituel. Alléluia. Glorifie Alléluia. Le nom de Jésus, Saint-Esprit. Caro amitori de vitor ma pecharo. Amen. Caro de un pesturi de prix de milan prestaca propre. Et nous qui sommes sur cet hôtel, comme ceux qui sont en train de nous suivre dans les maisons, Alléluia. Que personne ne se déconnecte de toi, Saint-Esprit. Que personne ne se déconnecte de toi. Alléluia. Nous voulons rester connectés. Amène-nous Alléluia. Dans les profondeurs, dans les hauteurs. Alléluia. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci de nous faire un grand bien. Amen. Merci de faire que notre royaume soit démontré qu'il avance. Amen. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Nous te faisons confiance. Amen. Et nous te promettons la gloire, l'honneur. Car tu es là. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous t'apprécions. Ta présence. Et nous acclamons. Au nom de Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ce moment. Merci pour ta présence. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je sais que vous êtes encore nombreux à nous suivre en cet avant-midi. Et ces liens et à partager à vos connaissances, à tous ceux-là avec qui vous voulez que nous puissions prier ce matin. Je sens que Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Et je sens que Dieu va nous faire un grand bien. Alléluia. Et nous allons continuer avec ces thèmes que nous avions commencé avant les dimanches de la Pâque, un chrétien fort. Je suis dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. J'aimerais que chacun de nous prie pour dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de me parler. Merci de me parler. Merci de me transformer. Merci de me transformer. Je suis disposé. Je suis disposé. Parle-moi. Parle-moi. Et change-moi. Et change-moi. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 10. La Bible dit dans la version Louis Egon, au reste, frères, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa grâce toute puissante. Nous l'avions lu avec vous dans la version Parole vivante. La Bible dit, et pour conclure, devenez des chrétiens forts. Éphésiens 6, 10, nous sommes en train de parler sur un chrétien fort. Et nous allons encore un peu évoluer cet avant-midi. Là où l'Esprit de Dieu permettra qu'on puisse s'arrêter, nous allons nous arrêter. Il dit, et pour conclure, devenez des chrétiens forts. Et je l'avais dit que le souhait de Dieu n'est pas seulement qu'on soit des chrétiens, mais c'est que nous devenions des chrétiens forts. Amen. Et si Dieu veut que nous soyons des chrétiens forts, ça sous-entend qu'il y a des chrétiens, mais qui sont faibles. Alléluia. Yes. Faibles face au péché, faibles face au combat, yes. Faibles face à des périodes comme celle-ci, par lesquelles le monde, les nations sont en train de passer. Vous voyez, il y a des chrétiens faibles. Or, le souhait de Dieu est qu'en tout temps, nous soyons des chrétiens forts. Fort. Amen. Mais comme je l'avais dit, c'est un tout petit rappel pour qu'on puisse évoluer. Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Vous voyez? Et c'est là où je vous avais révélé la première clé pour être un chrétien fort. C'est la communion avec le Seigneur. Amen. C'est la qualité de la relation qu'on a avec le Seigneur. Amen. Vous voyez?
Donc cette communion-là avec Jésus fait que nous puissions tirer de lui une énergie qui nous garde fort, qui nous renouvelle dans la force afin de foncer et d'évoluer. Amen. Vous voyez ? Alléluia. Le plus important pour toi, mon frère, ma soeur, n'est pas seulement de connaître les seigneurs, mais c'est d'atteindre la dimension d'être fort dans Alléluia. Le Seigneur. Amen. Vous voyez ? Parce que plusieurs personnes sont forts physiquement, sont forts en politique, en gestion, en beaucoup de notions, mais ils n'arrivent pas à devenir forts dans les seigneurs. Alléluia. Et il est temps que tu deviennes un chrétien fort. Et la première clé, comme je vous l'avais dit, c'était la communion avec le Seigneur. Amen. De cette communion, nous tirons l'énergie qu'il faut. C'est pourquoi pour rien au monde, ne négocie ta relation avec Jésus. Amen. Ne négocie ta relation avec le Seigneur. Amen. C'est lui qui peut venir pour te pousser à briser ta relation avec le Seigneur, même en cette période. C'est le plus grand ennemi de ta vie. Alléluia. Yes. Tu vois, garde ta relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je vous avais dit, la qualité de tes actes détermine la qualité de ta relation avec Dieu. Tu vois, pour savoir la qualité de ta relation avec Dieu, la santé de ta relation avec le Seigneur, tu n'as qu'à observer tes actes. Tu n'as qu'à observer ta conduite. Je sens que Dieu est ici. Alléluia. Tu n'as qu'à observer ta conduite. Tu n'as qu'à observer ton comportement. Tu peux alors définir la qualité de ta relation avec Dieu. Alors soignons notre relation avec Dieu pendant ce moment et même pour la vie. Amen. Tenons à une qualité de relation avec le Seigneur pour la vie. Parce que j'insiste, c'est de cette relation que nous puisons l'énergie qu'il faut Alléluia. Pour avancer. Alléluia. Mais la deuxième chose, la deuxième clé, c'est là où nous allons continuer ce matin, pour grandir, pour être un chrétien fort, je l'avais dit, c'est la spiritualité ou encore grandir en esprit. Amen. Vous voyez ? La première partie de cet enseignement est sur notre chaîne YouTube, Révérend Vicky Disashi. Vous pouvez trouver la première partie avec tous les détails sur lesquels je ne saurais pas revenir parce que nous devons évoluer. Grandir en esprit. Job 32, le verset 8 à 9, nous avons vu avec vous. La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas une affaire de l'âge physique, mais c'est une affaire de l'esprit. Une affaire de l'âge de l'esprit de l'homme. Une affaire de la taille de l'esprit de l'homme. Une affaire du poids de l'esprit de l'homme. Voyez, et je vous ai fait comprendre qu'au fait, quand Dieu a créé l'homme, il était un esprit possédant une âme dans un corps. Amen. Mais depuis que l'homme a péché en Éden, il a quitté de la dimension esprit, il est devenu charnel. Voyez, ses yeux physiques se sont ouverts. Il est devenu maintenant un soucié de je vais manger quoi, je vais m'habiller comment. Maintenant, l'homme est plus préoccupé à ce qui est terrestre, à ce qui est destructible, à ce qui est passager. Mais il n'investit plus sur son esprit ou pour son esprit. C'est pendant que l'homme est d'abord esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons compris avec vous qu'il est temps d'investir pour son esprit. Yes. Il est temps d'investir pour son esprit. Amen. Ton esprit doit se développer. Alléluia. Ton esprit doit grandir. Merci Jésus. Voyez, à l'instar de Jean-Baptiste, Luc 1, le verset 80, la Bible dit qu'il s'est fortifié en esprit. Pas d'abord dans l'âme, pas d'abord dans le corps, mais d'abord en esprit. Parce que nous sommes d'abord des esprits. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est juste un petit rappel avant qu'on évolue. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez, nous sommes nés par le Saint-Esprit. Au moyen de la nouvelle naissance, bien sûr. Donc, nous sommes des esprits. Mais nous sommes des esprits qui doivent grandir. Vous voyez ? Nous sommes des esprits qui doivent grandir. Amen. Vous voyez ? Nous sommes des esprits, j'insiste, qui doivent grandir. Et l'esprit de l'homme, l'homme étant un être tripartite, l'esprit de l'homme est la partie spirituelle de l'homme. Vous voyez, c'est cette partie que tu dois développer. Amen. Parce que dans cette partie, il y a ta conscience, il y a des intuitions. C'est cette partie que tu dois développer. Et je veux que nous puissions encore évoluer ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Prenez la première partie de cet enseignement, vous serez bénis. Voyez. Et même la Bible, nous l'avions lu avec vous, Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Vous voyez, c'est une affaire de l'esprit. Face aux problèmes de la vie, face aux réalités, face aux combats, c'est d'abord ton esprit qui peut te donner une position qui fasse que tu ne sois pas, vulnérable, ainsi de suite. Mais avançons dans la pensée de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit quoi? Quelqu'un peut me lire ça? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Yes. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lesquels deux hommes
connaît les choses de l'homme, hein? Si ce n'est l'esprit, si de l'homme, ce n'est l'esprit qui de est en l'homme lui. Qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que pour connaître un homme, c'est son esprit. Amen. Yes. Pour connaître un homme, c'est d'abord quoi? Son esprit. Alléluia. Vous voyez? Pour connaître les choses cachées qu'il y a dans l'homme, c'est d'abord quoi? C'est l'esprit. Amen. Je peux même aller plus loin pour dire, tout ce qui est de meilleur qui sort d'un homme, c'est d'abord une affaire de quoi? De son esprit. Alléluia. Avant que je te donne la première clé pour développer ton esprit ce matin, je veux que tu comprennes l'importance de ton esprit. Tu es d'abord esprit. Ce n'est pas parce que tu as le corps que tu dois oublier que tu es d'abord esprit. Qui connaît les choses de l'homme, sinon son esprit? Ça veut dire, l'homme peut se tromper dans d'autres choses, mais au niveau de son esprit, il ne peut pas se tromper. Parce que ça, c'est la dimension des données fixes, des données vraies, des données vérifiables. Le vrai toi, ce n'est pas d'abord le corps que je vois. Okay. Le vrai toi, c'est ton esprit. Amen. Merci. Qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme? De la même manière, qui peut connaître les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu? C'est pourquoi tu dois développer ton esprit. Tu dois faire que ton esprit grandisse. Je peux même te choquer ce matin pour te dire, c'est anormal que ce soit que ton corps qui se développe et pas ton esprit. Que ce soit que ton âme qui se développe et pas ton esprit. Alléluia. Ça veut dire que tu deviens champion dans la colère, dans les mensonges. Tu vois, tout ça c'est l'âme. Voilà. Mais l'esprit ne se développe pas. C'est anormal que tes biceps soient en train de grossir, la barbe blanche sort, mais ton âge c'est l'âge d'un petit enfant. C'est pourquoi, Alléluia. Malgré tes biceps, malgré que tu sois costaud, un petit démon peut jouer avec toi. Yes. Une petite maladie peut entrer en toi. Yes. Voyez, une petite attaque de nuit peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es un esprit faible. Il est temps que tu souhaites que ton esprit se développe. Alléluia. Que ton esprit devienne lourd spirituellement. Parce que en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. On peut avancer? Yes, regardez des choses que des hommes ont fait qu'avec leur esprit. Je parle de l'esprit de l'homme, pas le Saint-Esprit. Je parle de l'esprit de l'homme. Deux Rois chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Des choses que des hommes ont fait, rien qu'avec leur esprit. Toi, tu négliges ton esprit. Tu investis trop mes cabellos, mes vestes, ma voiture. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton esprit? Tu dois plus faire pour ton esprit. Regarde ce que des hommes ont fait. Deux Rois chapitre 5. De verset 25 au verset 26. Gloria pronchti la barre la pensée. Qui peut lire pour moi? 2 Rois 5. Yes. 25 à 26. Gehazi retourna auprès de son maître. Qui lui demanda, D'où viens-tu, Gehazi? Je ne suis allé nulle part, maître. Répondit-il. Mais Élisée reprit, crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit, je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi. J'aime ça. Attends, mon fils. Il dit, tu ne penses pas que j'ai pu voir en esprit. Il n'a pas dit avec le Saint-Esprit. Okay. Il dit, mon esprit a pu voir. Okay. Yes. Il était au loin, mais son esprit a pu voir. Amen. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Merci Jésus. Je suis venu pour que les yeux de ton esprit s'allument ce matin. Amen. Afin que peu importe la distance que tu vois. Amen. Alléluia. Élisée pouvait voir malgré la distance. J'insiste, il pouvait voir malgré la distance. Il dit, je pouvais te voir en esprit. Ça veut dire, toute la scène telle qu'elle s'est passée là, je pouvais le voir, mais en esprit. Il n'y a que toi qui néglige ta dimension d'esprit. Vous savez que même Dieu a besoin que son esprit soit là. Alléluia. Pour qu'il se rassure qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, même Dieu, pourquoi il a laissé le Saint-Esprit sur la terre? C'est pour se rassurer que par son esprit, il peut contrôler toutes choses. Avance, révérend. Amen. Voyez,
Parce que si son esprit n'est pas là, il ne saura pas contrôler les choses. Et il est temps que ton esprit se développe pour que où que tu sois, que tu contrôles les choses. Amen. Où que tu sois, que tu orientes les choses. Amen. Où que tu sois, que tu fixes les choses. Amen. Où que tu sois, que tu domines, où que Amen. Tu sois. Amen. C'est un rapport d'esprit. Mais quel est l'âge de ton esprit? Quelle est la taille de ton esprit? Voilà des hommes, ce qu'ils ont pu faire avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a une version différente de celle-ci. Oui, il dit quoi? Lis ça, ma fille. Karuma ma sote, zakura ma makete. Yes. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit. D'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu? Il répondit. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre de vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes? Il dit mon esprit n'était pas absent. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Mon esprit était présent. Avance, Father. Il est temps que ton esprit soit présent. Amen. Qu'il soit présent. Tu peux être chez toi à la maison, mais ton esprit est présent dans ton bureau. Alléluia. Ton esprit est présent dans ta chambre à coucher. Alléluia. Ton esprit est présent dans ton église. Yes. Tu es absent physiquement, mais ton esprit est là. Amen. En train de gouverner les choses. Amen. En train de contrôler les choses. Yes. En Alléluia. Train de décider les choses. Yes. C'est là où je veux que tu en arrives. Oh. 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 Tu vois, nous sommes d'abord des esprits. Jean chapitre 3, le verset 6, le verset 8. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes des esprits parce que nous sommes nés de nouveau. Et parce que nous sommes des esprits, nous ne connaissons pas des barrières. Nous ne connaissons pas des limites. Il n'y a pas une frontière qui peut nous limiter. Avance, Father. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être Merci. Béni ce matin. Merci. Voyez ce que des hommes ont pu faire avec leur esprit. Ceci dit, il y a des hommes, on ne peut pas les mentir. Il y a des hommes, on ne peut pas les rouler. Parce que quoi que tu fasses, son esprit est présent. Alléluia. Quoi que tu fasses, son esprit est au rendez-vous. Alléluia. Et c'est là où je veux que Dieu t'amène ce matin. Rien qu'avec ton esprit. Je parle de ton esprit. Tu es d'abord et esprit. On peut prendre un autre passage? Yes, Father. 1 Corinthiens chapitre 5. 3 à 5. C'est extraordinaire. Garuni fosu supria div kashotro odela kaita. Dangwe teke krumpu ne vous esfa frappite. 1 Corinthiens 5. Oui, le verset 3 à 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Des hommes ont fait des choses qu'avec leur esprit. Formidable. Formidable. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3 à 5. Yes, mon fils. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus, celui qui a si mal agi, comme si j'étais présent parmi vous, lorsque vous serez assemblés. Je serai avec vous en esprit. Attendez, quand vous serez assemblés, l'apôtre Paul dit, je serai avec vous en esprit. Ça veut dire, dans cette réunion-là, il y aura aussi un esprit qu'on appelle l'esprit de Paul. Pendant qu'il parle, l'esprit de Paul entend. Et l'esprit de Paul aussi dicte des choses. Et ensemble, ils font quoi? Ils décident. Merci Jésus. Rien qu'avec ton esprit. C'est de la bonne nourriture, papa. Finis la lecture, mon fils. Alléluia. Le verset 4. La parole de déclare, si je serai avec vous en esprit, et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera, vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur... Attends, j'ai dit quelque chose. Il y a une dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Comme conséquence des rassemblements des esprits. Amen. Donc, toutes les fois où la puissance de Dieu se déploie, il y a des moments où elle se déploie parce qu'il y a des esprits qui se sont rassemblés. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Trop profond. C'est comme ça que, des fois, l'onction qui marche avec toi, là, c'est pas à toi.
Elle est venue à cause d'un esprit qui était là. Merci Père. Comme elle marche avec cet esprit là, alors elle devait se manifester. Vous voyez? Alléluia. Donc j'ai dit, nous sommes d'abord de quoi? Des esprits. Et il est temps que chacun de nous développe son esprit, grandisse en esprit. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire rien qu'avec ton esprit. Et n'oublie pas, d'où est venu l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme est venu de Dieu. J'allais même dire, c'est venu du dedans des dieux. Parce que ces jours-là, l'Éternel souffle. Ça veut dire que l'Éternel prend une partie de lui. Okay. Qui connaît les choses de l'homme sinon l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu sinon l'esprit de qui? Des dieux. Dieu prend une partie de lui. Souffle, roue, esprit, vie. Il prend une partie de lui, il dépose dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire qu'en vérité, l'esprit de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme, c'est la continuité de l'esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. 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 L'esprit de l'homme, c'est la continuité de l'esprit de Dieu. Oh, Gerus Mandugreti Batopla. Sadurie et Fantostolopo. C'est pourquoi. Oh mon Dieu. Avance, Father. C'est pourquoi. Ton esprit peut contrôler les choses. Yes. Ton esprit peut faire marcher les choses. Ton esprit peut commander des choses. Amen. Tu peux être absent physiquement de quelque part, mais ton esprit y est. Et il décide de choses. Parce que ton esprit là, c'est la continuité de quoi? De l'esprit de Dieu. Tu peux atteindre cette dimension. Tu es absent. Tu es absent de corps. Parce qu'on t'a mité. Tu es au Bandundu, tu es à Kisangani, tu es en Europe. Tu as laissé ton mari, tu as laissé tes enfants, tu as laissé tes affaires. Mais ton esprit est à Kinshasa, en train de contrôler ton mari, tes enfants, ta femme, tes affaires. Amen. Oh mon Dieu. Le verset 5, tu as fini? Non, papa. Qui lit dans une autre version? Je lis avec plus de grand, papa. Oui. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Il est temps que nous soyons présents d'esprit. Yes. Amen. C'est-à-dire quand les gens peuvent être en train de prier, ils disent, je sens l'esprit de telle personne. Parce que au fait, les hommes, le corps des hommes meurt, mais l'esprit des hommes ne meurt pas. Oh, wow. Amen. Amen, amen, amen. Les corps des hommes meurent, mais l'esprit des hommes ne meurt pas. Wow. C'est ainsi ces jours-là. Élie, Moïse étaient déjà morts dans le corps. Mais à la montagne de la transfiguration, ils apparaissent à Jésus. Et la Bible dit qu'ils s'entretenaient avec Jésus. Non seulement on les a vus apparaître, mais ils faisaient quoi? Ils s'entretenaient. Le corps peut aller sous le sol, si. Mais ton esprit reste. Oh, bien-aimé. Avance, papa. C'est la bonne nourriture. Maintenant, pourquoi de tous les esprits qui ont existé, il faut seulement Élie, il faut seulement Moïse. Explique-nous, papa. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, brada Santa. C'est pas pour aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, amen. Vas-y mon fils, fini. Il y a une telle grâce ici. Recevez-la chez vous à la maison. Amen. Mes présents d'esprit. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Yes. Vous et mon esprit étant assemblés. Vous et quoi? Et mon esprit étant quoi? Assemblés. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que la puissance est là que ça exclut que l'esprit soit là. Parle-nous, papa. Vous, mon esprit, assemblé par la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que la puissance est là qu'on exclut l'impact ou le rôle que ton esprit doit jouer. Trop profond. La puissance est là, mais l'esprit... Je vais dire ce matin des choses très profondes et mystérieuses. Merci. C'est pourquoi même la puissance de Dieu, nous ne la démontrons pas tous de la même manière.
Okay. Yes. Parce que nos esprits n'ont pas le même âge. Nos esprits n'ont pas la même taille. Exactement. La puissance est là. Elle est là pour tout le monde. Yes. Mais tout le monde ne la demande pas de la même manière. Exactement. Parce que chez Paul, c'est un autre esprit. Yes. Chez Pierre, c'est un autre esprit. Mm. Chez toi, c'est un autre esprit. Amen, oh papa. Wow. Amen. Pourquoi Dieu utilise tel homme de Dieu comme ça? Pourquoi tel Dieu marche avec lui comme ça? C'est une affaire de quoi? De l'esprit. La puissance, elle est là. Elle est là, elle est la même. Mais c'est le problème de l'esprit qui veut naviguer dans la puissance. L'esprit sur qui la puissance va venir reposer. Tu as quel âge dans ton esprit? Quelle question. Des hommes ont fait des choses qu'avec leur esprit. Qu'avec leur esprit. Alors je t'ai dit ce matin, le plus important pour toi, c'est de développer quoi? Ton esprit. C'est de faire que ton esprit grandisse. Amen. Ton esprit devienne lourd. Amen. Gloire à Jésus. Qu'il devienne lourd. Avançons. Lisez-moi Actes 19, 13 à 16. Louis Zégon. Merci pour la nourriture solide de ce matin. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces mystères. Jésus. Merci. Actes 19, 13 à 16. Je veux qu'on lise. Écoutez bien cette histoire que nous connaissons tous. Des hommes ont fait des choses qu'avec les esprits. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Je vous conjure par qui? Par Jésus que Paul prêche. Je vous ordonne au nom de Jésus que qui? Que Paul prêche. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il y a deux choses là-bas. Il dit, il fait référence à Jésus. Il fait référence à qui? À Paul. Deux entités spirituelles très fortes. Mais la suite. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous. Mais vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Quelle question. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Yes. Le problème, ce n'est pas de faire référence au nom de Paul. Le problème, c'est la taille de ton esprit. C'est le poids de ton esprit face à ces démons-là. Face à ces combats-là. Le problème, c'est la taille de quoi? De l'esprit. Ils ont tenté de chasser les démons au nom de Jésus, que Paul prêche. Mais les démons leur disent, Jésus là nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous qui êtes-vous? Vous avez déjà vu quelqu'un échouer au nom de Jésus? Jamais. Mais c'est arrivé. Papa, amène-nous. Il y a des gens qui ont échoué avec le nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, ça échoue. Le nom de Jésus que Paul prêche, ça échoue jusqu'à ce jour. Et puis les démons lui disent, Jésus, là, nous connaissons. Paul, oui, mais vous, qui êtes-vous? L'efficacité du nom de Jésus dépend de la taille de celui qui l'utilise. Avance, révérend. J'insiste, l'efficacité du nom de Jésus, elle dépend de la taille de l'esprit de celui qui l'utilise. Elle dépend du poids spirituel de celui qui l'utilise. Elle dépend de l'âge en esprit de celui qui l'utilise. Quel est l'âge de ton esprit? C'est ça le problème. Pourquoi je chasse ces démons, il ne part pas? Pourquoi j'ai fait telle chose, ça ne tient pas? Pourquoi quand lui dit sort, les démons sortent? Pourquoi lui quand il dit sort, les démons sortent? Mais nous, c'est 3h, 4h. Le problème n'est pas le nom de Jésus. Le problème n'est pas Paul. Le problème n'est même pas ton père spirituel. Le problème n'est même pas les alliances de ton père spirituel. Le problème c'est que toi qui invoques le nom de Jésus, ton esprit est petit. Au point où quand tu dis au nom de Jésus, les démons regardent et disent, tiens, c'est qui ça? C'est qui ça? L'efficacité du nom de Jésus, j'insiste, elle dépend de la taille de l'esprit de celui qui l'utilise. Amen. C'est pourquoi le même nom de Jésus, il y en a qui font des exploits avec, mais il y en a aussi, ils citent, rien ne change. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais c'est toi qui as un esprit petit, qui a un esprit vulnérable, qui a un esprit que les démons peuvent jouer avec. Il est temps de te dire, ça n'est assez. 20 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, je suis toujours un esprit que les démons peuvent résister. Il est temps que tu te dis, ça doit s'arrêter. Amen. Ça doit s'arrêter ce jour.
Ça doit s'arrêter. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne devaient même pas se blaguer du nom de Jésus, qui ne devaient même pas se blaguer de la chrétienté. Aujourd'hui, ils prennent tout à la légère. Pourquoi? Parce que toi qui t'es dit chrétien, on voit comment tu es vulnérable, comment les démons se blaguent de toi, comment tu échoues dans beaucoup de choses. Pourquoi? Tu ne veux pas développer ton esprit. Tu es trop dans... Je veux manger quoi? Mes habits. Je ne veux pas trop prier parce que l'argent. Parce que c'est dans quoi tu dois plus investir, c'est d'abord ton esprit. Des hommes ont fait des exploits qu'avec leur esprit. Merci papa. N'oublie pas ça. Merci, l'efficacité papa. Du nom de Jésus dépend de la taille de l'esprit de celui qui fait quoi? Qui l'utilise. C'est pourquoi ils ont dit Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? C'est comme pour dire, si un esprit comme Jésus nous chasse, on va partir. Si un esprit comme Paul nous chasse, on va partir. Mais vous, là, vous n'êtes même pas vraiment... On ne vous reconnaît pas. Trop vrai. Merci papa. Trop profond. Amen. Tu ne peux pas te fatiguer d'être un bébé spirituel. Tu ne peux pas te fatiguer et dire maintenant là, mon esprit doit se développer. Recevez cette grâce chez vous. Recevez cette grâce dans vos maisons. Recevez cette grâce dans vos maisons. Recevez-la dans le nom de Jésus. Un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. J'ai dit un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. Amen. J'ai dit un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. Ça veut dire que c'est celui qui est dominé par l'esprit. Okay. L'esprit domine sur ses cinq sens. Ok. Voyez. Et non pas l'âme. Parce que l'homme est un être tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Le corps, l'âme, siège des sentiments, des émotions, de tout ça. Voyez. Quand tu es dominé par l'âme, c'est les sentiments, c'est les émotions. C'est comme ça, vous voyez quelqu'un aujourd'hui colérique, demain. Mais quand tu es esprit, c'est l'esprit qui domine. Amen. C'est l'esprit qui contrôle toute chose. Amen. Vous voyez? Et les cinq sens n'ont rien à te dire. Alors c'est très important que tu deviennes un chrétien fort. Et je dis un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. Ça veut dire que c'est une personne qui est influencée par des choses spirituelles. C'est une personne qui a développé son esprit. Au point où c'est l'esprit qui domine sur l'âme, sur le corps. Alléluia. C'est l'esprit qui contrôle, c'est l'esprit qui dirige toutes choses. Et non pas les sentiments. Exact. Qui m'entend? C'est comme ça que vous voyez. Vous voyez, le problème c'est quoi? Quand tu vas devenir un homme spirituel, tu vas te rendre compte qu'au fait, même ta famille, t'as la société, il y a des gens qui ne te comprendront pas. Parce qu'au fait, c'est pas facile de vivre avec un homme spirituel. En fait. Okay. C'est vrai papa. C'est pas facile de vivre avec un homme spirituel, okay. Avec un chrétien spirituel. Okay. C'est pas facile. Et je suis en train de te dire, mieux vaut être spirituel que charnel. Merci, yes. Papa. J'ai dit, mieux vaut être spirituel, yes, que charnel. Amen. Mieux vaut épouser un chrétien spirituel qu'un chrétien charnel. Amen. Pire encore, un païen. Ça, c'est l'affaire. Parle-nous, papa. Un chrétien fort. Parce que Dieu veut que nous devenions des chrétiens forts. Un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. C'est-à-dire, c'est celui qui a su développer son esprit au point où son esprit prend les dessus sur l'âme, sur le corps. Romains 8, 6 à 10. Une personne charnelle est guidée par ses sentiments. C'est pourquoi facilement elle peut mentir. Facilement elle peut tomber dans l'impudicité. Facilement elle peut s'enorgueillir. Facilement elle peut escroquer. Facilement tout ce qui est comme œuvre de la chair marche avec elle. Pourquoi? Elle est guidée par ses sentiments. Et cela est très dangereux. Yes. Très dangereux. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Et je donne la première clé. On va continuer d'autres choses prochainement. Lisons Romains 8, 6 à 9. Romains 8, 6 à 9. Mm-hmm. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par leurs sens, leurs sentiments. Mais quand tu es conduit par l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, quitte du régime charnel, entre dans les régimes spirituels. Amen. Sors de cette dimension d'un chrétien charnel, dominé par l'âme, dominé par le corps avec ses sentiments, ses envies.
deviens un homme fort. Amen. Deviens un chrétien fort, c'est-à-dire un chrétien spirituel. Développe ton esprit. Tu vois, à un moment donné, les gens peuvent même commencer à se moquer de toi pour dire « Ah, frère spirituel, sœur spirituelle, très spirituel, TTTS. » Je suis en train de te dire, en vérité, c'est un respect, mais sous forme de moquerie. C'est un respect sous forme de moquerie. Yes, pourquoi papa. Parce que, au fait, atteindre la spiritualité n'est pas facile. C'est vrai, papa. J'ai dit, atteindre la spiritualité n'est pas facile. Très vrai. Devenir spirituel, c'est pas facile. Mm. C'est un ensemble de sacrifices, de disciplines, de beaucoup de choses mises en place. Très vrai. Mieux vaut être spirituel que charnel. Yes. Mieux vaut épouser un chrétien spirituel qu'un chrétien charnel. C'est facile de vivre avec une personne spirituelle parce que l'esprit a dominé sur ses sentiments, sur ses envies, sur ses désirs. L'esprit contrôle tout. Et la voix de l'esprit, c'est la voix de la vie. Amen. C'est la voix des vertus. Amen. C'est la voix des valeurs. Alléluia. Première clé pour développer ton esprit. Je vais vous en donner peut-être 5 ou 6. Mais aujourd'hui, je prends juste une clé que tu connais, mais Dieu va permettre que tu la comprennes autrement. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Si tu veux développer ton esprit, la première clé, c'est la vie de prière. Okay. Ou encore, priez sans cesse. Tu veux développer ton esprit, la vie de quoi? Des prières. Ou prier sans cesse. Pourquoi? Première chose, la prière est le souffle d'un esprit régénéré. Priez sans cesse. J'ai dit la prière est le souffle d'un esprit régénéré. Quand je parle d'un esprit régénéré ici, je fais allusion à qui? Aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est quoi? Est esprit. Si tu veux devenir un esprit fort, si tu veux développer ton esprit, la première clé ce matin, c'est la vie de quoi? De prière. Ou le fait de prier sans cesse. Parce que la prière, j'insiste, c'est le souffle d'un esprit régénéré. Ça veut dire, quand un soi-disant chrétien ne prie pas, il ne vit plus. Parce que c'est le souffle. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes, papa. C'est le souffle. Le mot souffle veut dire roue, vie, souffle. C'est-à-dire, c'est la vie d'un esprit régénéré. La prière, c'est la vie d'un esprit régénéré. La prière, c'est la preuve qu'un esprit régénéré vit. Ok. Merci. Okay. Ainsi, tu dois trouver que ça dysfonctionne. Hein? Tu dois trouver que tu es en train comme de dysfonctionner. Tu n'es plus trop dans ton élément. Tu t'es dit chrétien, mais tu n'as plus l'envie de prier. Tu n'as plus la force dans la prière. Tu n'es plus accroché à la vie de prière. C'est le souffle d'un esprit régénéré. Et vous allez vous rendre compte, nous prêchons beaucoup sur la prière. Je ne sais pas si vous constatez, nous prêchons beaucoup sur la prière, mais peu de chrétiens prient. C'est vrai. Peu de chrétiens prient. Même ceux qui me suivent savent. Les réseaux sociaux te prennent, sur 24 heures, les réseaux sociaux te prennent peut-être 16 heures du temps. Mais tu pries que 2-3 minutes et tu veux être spirituel. Non. Non. J'ai dit non. Si tu veux développer ton esprit, merci, la prière doit devenir une vie. Merci, papa. J'ai dit la prière doit devenir quoi? Une vie. Fais de la prière une vie. J'ai dit fais de la prière une vie parce que c'est le souffle d'un esprit régénéré. Prie. Et la deuxième de chose, la prière fait de nous des personnes spirituelles. Yes. La prière fait de nous des personnes spirituelles. Luc chapitre 22, le verset 40. La prière, j'insiste, elle fait de nous des personnes spirituelles. Luc 22, 40, c'est Christ qui prie à Gethsémané. Nous connaissons tous l'histoire. Ajoutez encore un autre verset, 45 à 46. Tu veux développer ton esprit, tu dois faire de la prière une vie. Luc 22. Le verset 40, la Bible dit quoi, Eva? Luc 22, 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Afin de ne pas tomber dans quoi? Dans la tentation. La tentation arrive à quel niveau de l'homme? Parle-nous, papa. La tentation arrive au niveau de l'âme, au niveau du quoi? Du corps. Yes. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a des sentiments, les sensations. Et le corps exécute. Exactement. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Parle-nous, papa. Vous voyez, Jésus dit, si vous priez,
vous ne pourrez pas tomber en quoi? En tentation. Ça veut dire, plus vous priez, c'est votre esprit qui est nourri. Et plus l'esprit est nourri, il va grandir, il va se développer, il va devenir lourd jusqu'au point de faire que l'âme n'a plus rien à dicter au corps. Ainsi, vous ne pourrez pas tomber dans quoi? Dans la tentation. Et vous allez voir au verset 45, le verset 46, Jésus revient encore vers les disciples pour leur dire, priez pour ne pas tomber dans quoi? Dans la tentation. Et Jésus est revenu vers eux trois fois. Il leur dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Mais au verset, le verset 40, là, la Bible dit, Jésus s'est retiré à la montagne prier comme d'habitude, comme par accoutumance. Donc Jésus avait une habitude de prier comme ça. Maintenant, réfléchissons. S'il a pu faire trois tours vers les disciples, il les trouve endormis. Et la Bible dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Ça veut dire, Jésus a fait combien de temps en prière? Trois heures. Il a fait 3 heures. Donc Jésus avait l'habitude de faire comme ça, 3 heures ou plus de 3 heures en prière. C'est comme ça que Christ a eu ce corps. La Bible dit dans 2 Pierre, il a eu ce corps, mais il n'a jamais péché dans ce corps. Okay. Alléluia. Okay. Et il dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Ça veut dire un disciple de Jésus, un jour ne peut pas passer sans qu'il n'ait pris au moins une heure. Pourquoi tu es faible? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi tu retournes au péché que tu avais abandonné? Parce que tu ne pries pas. J'insiste, quand on prie, on est fort. Amen. D'où vient la force? La force vient de cette intimité avec Dieu. Yes. Nous puisons la force en lui et notre esprit est en train de grandir. Amen. Mais quand on arrête de prier, on devient faible. C'est comme ça, les anciens péchés, les anciennes choses commencent à revenir petit à petit. Je te parle, bien-aimé. Tu ne remarques pas, même quand tu pries beaucoup, les moments où tu es en train de trop prier, même tes dons spirituels, tu les exploites à une autre dimension. Tu sens Dieu autrement. Tu te sens mieux. Tu n'as peut-être pas 1 000 $, tu n'as peut-être pas une voiture, tu n'as peut-être pas encore eu les mariages que Dieu t'a promis. Mais tu te sens toi, tu te sens vivre. J'ai dit tu te sens vivre. C'est vrai. Parce que la prière, c'est le souffle d'un esprit régénéré. Tu veux développer ton esprit, fais quoi? Prie. Fais quoi? Prie. J'ai dit à quelqu'un, fais quoi? Prie. Jésus priait 3 fois. Et il a pu prier, pardon, à Gethsémané 3 heures. Et la Bible dit des coutumes. Ça veut dire, lui, 3 heures, c'était un petit rien. Mais les disciples doivent faire au moins 1 heure dans la prière. Tu vois, avec les occupations des réseaux sociaux de nos jours, si tu ne peux pas programmer la prière dans tes programmes, tu ne prieras pas. C'est vrai, papa. J'ai dit, si tu ne peux pas programmer la prière dans tes programmes, tu ne prieras pas. Et un disciple de Jésus comme toi ne peut pas passer une journée sans prier, ne serait-ce qu'une heure. Plus tu pries, ton esprit fait quoi? Se développe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne prie pas d'abord pour demander à Dieu des choses, mais on prie pour notre intimité avec Dieu. Amen. Maintenant, dans cette intimité-là, Dieu Esprit est en train de se frotter avec nous, Esprit. Vous voyez? Il y a un frottement des esprits. Parce que c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est comme une sphère où deux entités se croisent. Vous voyez? Alors, maintenant, dans ce moment d'intimité-là, ton esprit se croise avec l'esprit de Dieu ou se frotte à l'esprit de Dieu. Or, Dieu, j'ai dit, Dieu est l'infini. Je répète encore, Dieu est l'infini. Je répète encore, Dieu est l'infini. En vérité, quand tu te frottes à Dieu, Dieu aura toujours quelque chose à te donner. Amen. Non, je vais bien dire, ton esprit aura toujours quelque chose à recevoir de Dieu. Yes. Amen. Parce que Dieu est l'infini. Au Kossi, ça a été. Tu prendras toujours. Maintenant, plus tu prends de Dieu esprit, c'est d'abord ton esprit qui est en train d'être comblé. C'est ton esprit qui est en train de se développer. Parce Amen. Que tu es en connexion avec Dieu. Amen. Yes. Merci, papa. Arrêter avec la vie des prières, c'est s'éloigner de Dieu petit à petit. Et les péchés anciens peuvent revenir. Tu veux être un chrétien fort, tu veux développer ton esprit, sois un homme, une femme de quoi? De prière. Sois un homme, une femme de prière. Avançons. Macro idele satopiate. Je sais que quelqu'un est en train d'être béni. Amen. Daniel chapitre 5, 11 à 14. Daniel 6, 3 à 10. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez ce qu'on dit de Daniel, un homme extraordinaire.
Oh, Baros Kototia Pratani Avekra. Dispose ton cœur et que l'Éternel change ta vie ce matin. Qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 5, le verset 11 à 14. Daniel chapitre 5, le verset 11 à 14. 5, verset 11. 1. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit des dieux saints. Oh mon Dieu, écoutez, il y a dans ton royaume un homme qui a quoi? Qui a l'Esprit des dieux saints. Qui a en lui l'Esprit des dieux saints. Des dieux saints. Des dieux, là, c'est au pluriel. Azana molimo ya banzambe. Ya banzambe. Oh mon Dieu. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. On trouva chez lui de quoi? Des lumières. Chez Daniel, on trouve quoi? Des lumières. Ton esprit, on va trouver quoi? Parle dans nous, l'esprit papa. De Daniel, on a trouvé quoi? Des lumières. Parle-nous, papa. Pas l'esprit de Dieu. L'esprit de qui? De Daniel. On trouve dans un esprit quoi? Des lumières. Aujourd'hui, ton esprit là, va accéder aux lumières. Attends, amen. Je vais te réveiller. Tu vois comment on est en train d'aller là. Les lumières vont apparaître dans ton esprit. Amen. On trouva chez lui lumières. Des lumières. De l'intelligence. De l'intelligence. Et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père. Jusqu'au verset 14, vas-y. Le roi, l'établi chef de magiciens, des astrologues. On l'a établi chef de quoi? Des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Un esprit supérieur a fait que quelqu'un soit établi au-dessus des sorciers. Parce qu'en un mot, magicien, astrologue, tout ça, appelons-le seulement de quoi? Des sorciers. Bandoki papa. Un homme a été établi au-dessus des sorciers. Pas parce que, juste parce qu'il avait un esprit supérieur. Caprice. Est-ce que tu sais que tu peux devenir incontournable dans ta société? Rien qu'à cause de l'âge de ton esprit. La vie de Daniel nous enseigne. Les gouvernements se sont changés, mais Daniel est resté là. Et on a toujours recouru à lui. À cause de quoi? L'esprit supérieur. Tu peux même être chez toi là où tu es là. Mais ton esprit là, parce qu'il est supérieur, il attire vers toi des choses importantes. Il attire vers toi des choses qui changent ta vie. Le verset 14, tu as lu ma fille? Et de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter le songe, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Les questions difficiles. Tout ça dans l'esprit de qui? De Daniel. Je veux qu'on avance à cause du temps. Daniel 6, lis-moi encore Daniel chapitre 6. Daniel 6, le verset 3. Écrivez Daniel 6 à la maison, le verset 3. Daniel 6, le verset 3. Daniel surpassait les chefs. Oh mon Dieu. Daniel surpassait. Les chefs et le satrape parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Sur tout le royaume. À cause de quoi? De son esprit supérieur. Maintenant, je vous révèle une des clés qui a fait que Daniel ait un esprit supérieur, qui a fait que chez lui, on trouvait des lumières. Dans son esprit, on trouvait de quoi? Des lumières. Le verset 10, la Bible dit quoi? Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour. Quoi? Trois fois le jour. Il se mettait à genoux. Il priait. Il louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de nouveau pour Daniel. Daniel avait l'habitude, trois fois par jour, il se prosterne, il prie, il loue Dieu. Dans ces moments-là, son esprit est devenu un esprit supérieur. Il dit comme auparavant. Wow. Un esprit qui prie, c'est un esprit des lumières. Amen. J'ai dit un esprit qui prie, c'est un esprit de quoi? Des lumières. L'esprit là, c'est toi. Ça veut dire un homme qui prie, c'est un homme des lumières. Chez lui, on va trouver que quoi? Des lumières.
Comme auparavant. Trois fois. Mais rentrons dans le contexte actuel de Daniel. Daniel a toutes les charges là, mes fils. Oui, papa. Il a toutes les charges. Malgré toutes les charges, il peut prier comment? Trois fois par jour. Politicien, tout ça, trois fois. Toi, tu n'as aucune charge. Tu n'as aucune. La seule charge, c'est ton téléphone. Qui te prend 12 heures, 8 heures. Tu ne sais plus prier. Te voilà faible. Te voilà vulnérable. Te voilà maintenant dominé par tes sentiments. Te voilà charnel. Tout ce qui reste, c'est que le diable te dévore. Trois fois. L'homme le plus, un homme très occupé, mais trois fois par jour. La Bible dit, il faisait quoi? Il s'agenouillait, il priait, il louait Dieu. Et toi? Ces moments de confinement, au lieu qu'il te pousse vers Dieu, il t'a ramené au péché. Ça n'a pas de sens. Au lieu que ça te pousse encore à chercher Dieu, non, ça te ramène à la distraction, ça te ramène à la mondanité, ça te ramène aux envies mondaines, ça te ramène à l'envie des bières, des boîtes, des sexes. C'est pas normal. Tu veux développer ton esprit, tu dois être un homme et une femme de quoi? De prière. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il n'avait pas la même dimension spirituelle que nous. Parce que Élie, la Bible dit, il pria avec instance, il pria. C'était un homme de prière. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la grâce, recevez la faveur. Soyez connectés à la vie, à l'onction, à la puissance et à l'esprit de ce message ce matin. Là où il y avait la faiblesse dans la prière, que le feu soit restauré, que la flamme soit restaurée. Tout poids sur ton esprit, que ça te quitte au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout poids sur ton esprit, qu'il quitte au nom de Jésus. Que ton esprit soit ouvert et connecté au trône. Lève-toi, prie comme tu priais auparavant. Retourne à une heure de prière. Retourne à 2 heures de prière. Retourne à 6 heures de prière. Retourne à 10 heures de prière. Retourne à des retraites comme tu les faisais. C'est en ça que tu deviens un chrétien spirituel. C'est en ça que tu développes ton esprit. Alléluia. Alléluia. Marikoba de Sekrapaya. Alléluia. J'arrête ce matin pour te dire une chose. 1 Corinthiens, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Suis-moi, je suis aux dernières minutes. 1 Corinthiens 14, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Attends. Il dit quoi? Si je prie car en langue. Car si je prie en langue, mon corps est en prière. Non, mon esprit. Mon âme est en prière. Non, il dit esprit. Quand je prie en langue, qu'est-ce qui est en prière? Mon esprit. Mon esprit. Quand tu pries en langue, qu'est-ce qui est en prière? C'est ton esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux plus vite, plus vite. J'ai dit si tu veux plus vite, tu veux plus vite développer ton esprit, plus vite couler. Prie en langue. J'ai dit prie en langue. J'ai dit encore fais quoi? Prie en langue. Parce que la Bible dit vas-y. Quand tu pries en langue. Quand tu pries en langue. Car si je prie en langue. Si je prie en langue. Mon esprit est en prière. Mon esprit. Et quoi? Et en prière. Donc, quand tu pries en langue là, qu'est-ce qui est en prière? Mon esprit. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. C'est quoi? C'est mon l'esprit. Et parce que le parler en langue, c'est la véritable langue de l'esprit. Merci. J'ai dit le parler en langue, c'est la véritable langue de quoi? De l'esprit. Ça veut dire quand les parler en langue sortent de toi là, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. Ça, c'est l'esprit. Ça veut dire que l'esprit est en travail. L'esprit est en activité. Oh mon proteliga prata. Tu veux développer ton esprit? Utilise cette sagesse que Jésus nous a laissée par le Saint-Esprit. Tu vois? Utilise-le. J'ai dit utilise-le. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en quoi? En prière. Ça veut dire aussi, le parler en langue, c'est la langue de la prière. Quand tu veux prier, fais quoi? Parle en langue. Kadou shabaka. J'ai dit quand tu veux prier, c'est ce que la Bible dit. Reçois l'esprit de la parole. Je le reçois, tu papa. Vois, quand tu veux prier, la Bible dit si tu veux réellement prier pour que ton esprit grandisse, pour que ton esprit pénètre des sphères, que ton esprit
pénètre, explore le monde des esprits. Quand tu veux prier, ce n'est pas avec Seigneur, tu es Dieu. C'est pas mauvais, mais c'est une dimension. Mais si tu veux réellement prier, il faut faire quoi? Il faut virer dans les parlants en langue parce que là, ton esprit est en quoi? En prière. Ça ne vous est jamais arrivé, tu lis un passage biblique, tu ne comprends rien. Et puis du coup, tu te retrouves en train de prier en langue. Tu pries. Oui, papa. Quand tu retournes au même passage, oui, papa. Ce que tu n'avais pas compris, tu le comprends. Oui, papa. Ça veut dire que ton esprit vient de grandir. Eh? Parce que les écailles qui t'empêchaient à comprendre viennent de tomber. Mais à quel moment c'est tombé? C'est le moment où tu priais en esprit là. Ton esprit était en train de travailler et il a grandi. Maintenant, ce que tu ne pouvais pas comprendre, tu peux le comprendre. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, à tout moment, parle en langue. Alléluia. J'ai dit, parle en langue. 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 J'ai dit, encore, parle en langue. J'ai dit, parle en langue. Tu veux grandir en esprit? Parle en langue. Dans la douche, parle en langue. Au volant, parle en langue. Dans ton bureau, parle en langue. Dans ta chambre à coucher, parle en langue. Au salon où tu es même maintenant, parle en langue. Quand tu parles en langue, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. C'est ton esprit qui est en prière. Oh, raprato, popopo. J'ai dit, c'est ton esprit qui est en prière. Parle en langue. J'ai dit, 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 parle en langue. C'est ton esprit qui est en prière. Écoutez-moi. 1 Corinthiens 14, le verset 39. La Bible dit quoi? Je veux que tu comprennes ça. La Bible dit quoi? Toujours 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 39. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens. Yes. On y va. Et si quelqu'un l'ignore. Et si quelqu'un. 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc. Frère. Aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler. Pas de faire quoi? De parler en langue. J'ai dit à quelqu'un que rien ne t'empêche à parler en langue. Amen. Où que tu sois, parle en langue. Que rien ne t'empêche à faire quoi? À parler en langue. Il dit n'empêchez pas. Ça veut dire toi-même d'abord, ne t'empêche pas de parler en langue. Yes. Ne te sens pas comme culpabilisé, troublé. Non, quand ça monte en toi, parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par toi. Quand ça monte, laisse à l'Esprit de Dieu parler par ton esprit. Mm. Laisse à ton esprit sortir le dialecte du Saint-Esprit par ton esprit. N'empêche pas de parler en langue. Et n'empêche pas à quelqu'un de faire quoi? De parler en langue. Parce que quand on parle en langue, la Bible dit, c'est notre esprit qui est en quoi? En prière. En prière. Alléluia. En prière. C'est d'abord notre esprit qui est en prière. C'est là où notre esprit se développe et comprend beaucoup de choses. Eh mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ne blague pas avec les parlants en langue. Ne parle plus en langue comme par habitude. Ne le fais pas, tu parles en riant, comme si tu t'es moqué des gens. Tu le fais avec honte, avec doute. Les parlants en langue, c'est une dimension très élevée dans le monde des esprits. Yes. Rappelez-vous ce jour-là dans Acte 8, je suis en train de terminer. Rappelez-vous dans Acte 8, qu'est-ce qui s'est passé avec Simon le magicien? Il a épaté Samarie avec des miracles. Mais lorsque Philippe arrive, il prêche la parole. Samarie est sauvée. Les apôtres entendent les nouvelles. Ils envoient Jean et Jacques. Ils arrivent, leur disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oh non, on n'en a même pas entendu parler. La Bible dit, lorsqu'ils leur imposèrent les mains, Acte 8, 17, lorsqu'ils leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit et ils se mirent à quoi? À parler en langue. Voyez l'attitude de Simon? Simon vient vers les apôtres, il leur propose quoi? De l'argent. Il leur propose de l'argent. Il dit, non, donnez-moi aussi ces pouvoirs. C'était comme pour dire, avec mes fétiches ici à Samarie, j'ai fait des choses qui ont épaté les gens. Mais cette dimension ici, ça, je n'ai pas encore vu ça. Ça, c'est une autre dimension. Mon frère, quand tu parles en langue, tu es redoutable. Yes. Quand tu parles en langue, là, j'ai dit, tu es redoutable. Amen. Quand tu parles en langue, là, j'ai dit, tu es dangereux. Amen. Quand tu parles en langue, là, l'enfer est en train de trembler. Amen. J'ai dit, quand tu parles en langue, les forteresses des démons de ta famille sont agitées. Yes. Oh, j'ai dit, quand tu parles en langue, il y a des choses qui se passent dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Yes. J'ai dit, quand tu parles en langue, quelque chose se passe. Yes. Alors, ne t'amuse pas avec. Tu veux développer ton esprit. Fais quoi? Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit parler au dedans de toi. Amen. C'est ainsi, j'ai toujours dit, yes, si Father. C'est l'Esprit de Dieu qui parle par toi, ça ne sortira pas la même chose dans ta bouche. Avance, Father. Tu ne seras pas ça. Oui, je peux l'accepter au début. Mais comme c'est l'Esprit, la Bible dit dans Acte 2, le verset 4, chacun parlait en langue comme l'Esprit leur donnait de quoi? De s'exprimer. Si c'est l'Esprit qui s'exprime par toi, ça ne peut pas être
une monotonie. Ça ne peut pas être la même chose. Ça doit grandir. Et puis je te dis maintenant, quand tu sens que tes langues grandissent, en vérité, c'est ton esprit qui grandit. Ah, amen. Oh. Je dis, quand tu sens que ça commence à changer, Gobianto Foboti, Karo Popina Sotri Akiata, Manguara Topoko, Mando Suprai Dekefe. Tu vois des choses pareilles. Quand tu parles comme ça, ça, ce n'est pas les langues des petits-enfants. Ça fait dire que ton esprit est en train de faire quoi? Est en train de grandir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? J'ai dit à quelqu'un, parle en langue. J'ai beaucoup de choses à te dire, je te les dirai encore prochainement. J'ai dit, parle en langue. Où que tu sois, parle en langue. J'ai dit, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Hein? Ça doit impressionner les gens quand tu parles en langue. Il faut que quelque chose se libère autour de toi quand tu parles en langue. Je suis venu pour que ton parler en langue soit réactualisé comme au jour de ton baptême. Je suis venu pour que la vie dans les parler en langue soit restaurée. Amen. Pour que la force dans les parler en langue soit restaurée. Amen. Pour que ton parler en langue soit mis à jour. Amen. J'ai dit, il faut qu'il soit mis à jour. Si tu mets à jour ton téléphone, le parler en langue doit aussi être mis à jour. Merci. Merci, Father. J'ai dit, plus ton parler en langue change, ça veut dire que ton esprit est en train de faire quoi? De grandir. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez comment ça s'est passé? Je vais arrêter par là. Vous savez comment ça s'est passé? Regardez dans acte 2. Oh, Barroso, Popoti. Regardez comment ça s'est passé ces jours-là. Comment ils se sont retrouvés en train de parler en langue. Parce que Jésus leur a dit seulement, attendez, la puissance viendra. Mais il n'a pas parlé de parler en langue. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il fit quoi? Il remplit toute la maison où ils étaient. Maintenant, écoutez, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, les langues se sont posées sur chacun d'eux. Ça s'est posé sur chacun d'eux. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore parlé. Amen, papa. C'est des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore parlé. Maintenant, le verset qui suit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ensuite, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de quoi? De s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les langues de feu se sont posées sur la tête de chacun, au fait, c'est comme je suis là, je vois, je vois une flamme de feu sur la tête de mon fils Israël, je la vois sur Papa Lucien, je la vois sur Malaïka, je la vois sur Eva. Maintenant, le moment où je vais dire, je vois, quand je vais dire, je vois une flamme de feu, au lieu que ça sorte, je vois une flamme de feu, c'est rakapapapak. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce mystère. Au fait, c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Maintenant, quand Eva veut, regarde aussi, il voit que Malaïka a une flamme. Quand il veut dire, maman, Malaïka, tu as une flamme. Au lieu que ça sorte, tu as une flamme. Rrr, les langues sont passées. Je ne sais pas si tu comprends là où nous sommes, la chambre où nous sommes ce matin. Hein? L'église du temps de la fin n'est pas seulement une église assise dans la sainte et sainte doctrine, mais c'est aussi une église qui révèle les mystères. Alléluia. Yes. Merveilleux, merveilleux. Yes. Voyez un peu. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. En voulant expliquer ce qu'il voyait chez l'autre, pouf, il se retrouve en train de parler. Maintenant, le dialecte qui sort là, ce n'est plus je vois la flamme de feu, mais c'est le parler en langue. Parce que dans la chambre haute, ils ont persévéré en prière jusqu'à être transformés en des esprits. Maintenant, ils parlent la langue de quoi? Des esprits. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, parle en langue. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions le Seigneur. Chagebe prendesi. Mero priado vrento. El brosu vekri. E kubarada da shika le brada. Le santi li brinde. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Le sutu. Même toi qui n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois le baptême maintenant. Commence, ouvre seulement ta bouche. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia. Et tu reçois cela. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Laisse l'Esprit de Dieu ouvrir cela en toi. J'ai dit, laisse l'Esprit de Dieu ouvrir cela en toi. Si tu veux grandir dans ton esprit, tu dois prier comme Jésus priait, comme Daniel priait. Mais tu dois surtout prier en esprit. Surtout en esprit. Surtout en esprit. Gaba hi prao e no we bon vi bon to storobo. Rula ad ivrom peto storovombri. Javarata cambren testa le vermo. Javetera manga birumu. Uzu prao e pori me chuse fare. Quel perto video sta vina ma hom pro e delle
Oh, thank you, Jesus. Écoute-moi. Je vais te laisser sous cette soif. Je vais te laisser sous cette soif. Je sais que ça s'est déjà ouvert là où tu es à la maison. Tu as envie de prier en langue. N'empêche pas cela. Laisse ça couler. Même si ça te garde 2 heures, 3 heures, toute cette nuit, toute une semaine, vas-y. Vas-y. J'ai dit vas-y. Et ma prière pour toi est que l'esprit de ce message te prenne en otage. Alléluia. Et que le Saint-Esprit continue à te parler en profondeur. Amen. Quand tu vas prier, quand tu continueras à prier, expérimente sur toi de flots de vagues et des vagues de parler en langue. Alléluia. Parle en diversité des langues. Alléluia. Pénètre les profondeurs de parler en langue. Alléluia. J'ai dit plus tu vas parler en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Alléluia. Et plus ton esprit est en prière, tu deviens un chrétien spirituel. Alléluia. Ton esprit se développe. Alléluia. Il prend le contrôle de toutes choses. La chair et le corps se teignent et suivent la direction de l'esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce reste avec toi. Amen. J'ai dit que cette grâce reste avec toi. Amen. Que ce feu qui vient d'être allumé continue encore à t'embraser. Amen. Continue encore à t'embraser. Amen. Continue encore à t'embraser. Alléluia. J'ai dit que ça continue encore à t'embraser. Alléluia. Parle en langue comme jamais auparavant. Alléluia. Parle en langue avec une énergie comme jamais auparavant. Amen. Grandis dans les parler en langue comme jamais auparavant. Alléluia. Parce que quand tu le fais, ton esprit est en prière. Alléluia. Et Dieu veut Alléluia. Utiliser des esprits supérieurs. Amen. Dieu veut utiliser des esprits supérieurs. Et il est temps que ton esprit grandisse. Que cette grâce et cette flamme restent sur nos vies. Au nom de Jésus. 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 Avec action de grâce. J'ai dit à quelqu'un, devant n'importe quel problème de ta vie, comme Dieu me dit, parle en langue. Amen. Devant n'importe quel combat, parle en langue. Amen. Même quand tu ne sais pas comment prier, que je commence par où, que je demande comment à Dieu, que je parle de quelle manière, Dieu me dit, parle seulement en langue. Amen. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui parle par ton esprit. Amen. Toi, parle seulement en langue. Amen. C'est lui qui parle en langue, c'est Amen. À Dieu qu'il parle directement. Amen. Et il dit des mystères. Amen. J'ai dit, parle en langue devant Alléluia. N'importe quel problème. Alléluia. Parle en langue et les choses vont changer. J'ai dit parle en langue, les choses vont changer. J'ai dit parle en langue, les choses vont changer. Que cette flamme reste sur nos vies. Amen. Oh Jésus, toute la gloire, l'honneur à toi pour ces cultes. Nous croyons à des transformations, à des fruits et de fruits qui demeurent. Avec action de grâce, nous avons prié, bénissant les familles qui nous ont suivis. Bénissant tous ceux qui nous ont suivis. Alléluia. Bénissant tous ceux qui nous suivront. Alléluia. Bénissant Sanctuaire de gloire. Amen. Bénissant tous les fils et filles de Sanctuaire Amen. De gloire. Bénissant ce pays. Amen. L'Afrique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons et précipitons encore la réouverture des bâtiments de l'église. Amen. La reprise des cultes. Amen. Nous précipitons cela au nom de au Jésus. Nom de la Jésus. Rose sakoyomo yabaya. Vrutustafarada paikatala. Nendo subuyoboyobota. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit bénie pour vous. Lève-toi en prière comme jamais auparavant, avec une énergie sans pareil, et deviens un esprit supérieur. Les choses supérieures viendront dans ta vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.